L'allopuridol est une bétyrophenone, un médicament antipsychotique typique de la classe des neuroleptiques. Il a été développé en 1957 par la firme belge Janssen Pharmaceutica. Traitement de la schizophrénie et des troubles schizoaffectifs. Traitement aigu des délires en cas d'échec des traitements non pharmacologiques. Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères, associés aux troubles bipolaires de type 1. Traitement de l'agitation psychomotrice aiguë, associée aux troubles psychotiques aux épisodes maniaques du trouble bipolaire de type 1. Traitement de l'agressivité persistante et des symptômes psychotiques chez les patients présentant une démence d'Alzheimer modérée à sévère ou une démence vasculaire en cas d'échec des traitements non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou autrui. Traitement des tics, notamment du syndrome de Gilles de la Tourette. Chez les patients sévèrement atteints, après échec des prises en charge éducatives, psychologiques et des autres traitements pharmacologiques. Traitement des mouvements choriques légers à modérés de la maladie de Huntington en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements. Une hypersensibilité à l'allopuridol, état comateux, dépression du système nerveux central due aux agents dépresseurs du système nerveux central, lésion des noyaux gris centraux, infarctus de récent du myocarde, insuffisance cardiaque décompensée, une arythmie, allongement de l'intervalle QT court, antécédents d'arythmie ventriculaire, antécédents de torsade de pointe, hypokaliémie non corrigée, maladie de Parkinson, consommation d'alcool, allaitement.